Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé local. Jeudi 28 septembre, je vous retrouve en direct des locaux de la Ligue contre le cancer de Lozère. Voici les titres. Élections, Guylaine Pantel remporte les élections sénatoriales. Culture, la 21e édition du festival Photobrac avait pour thème de désert et d'eau. Environnement, l'engagement du PNC et de l'entreprise de transport du réseau électrique pour la biodiversité. Économie locale, premier label Bistrot de Pays à Rousse. Patrimoine, nous reviendrons sur les journées du patrimoine 2023. Je vous rappelle que vous êtes bien en direct du JT Lozère. Nous avons aujourd'hui une invitée de choix. Donc, Madame Guylaine Pantel, sénatrice de Lozère, est avec nous par téléphone. Bonsoir, Madame la sénatrice. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Ben merci à vous. Merci à vous de me recevoir dans votre JT. Alors, juste avant donc d'échanger avec vous, nous allons passer un petit reportage. 358 grands électeurs avaient rendez-vous dimanche 24 septembre au Faubourg Montbel à Mende pour élire le nouveau sénateur de la Lozère pour 6 ans. Ils étaient 4 à avoir présenté leur candidature. Guylaine Pantel remporte des élections sénatoriales avec 187 voix. Elle obtient donc la majorité des suffrages exprimés. Un reportage d'Éric Michel. En Lozère, 358 grands électeurs ont voté pour élire un sénateur parmi 4 candidats. Et c'est Guylaine Pantel qui a été élue sans grande surprise au premier tour, avec 53,74% des suffrages exprimés. En effet, tous les 3 ans, 50% des sénateurs, soit 170 sièges, doivent être renouvelés. Ils sont élus au suffrage universel indirect. Les élections sénatoriales se sont déroulées dès 8h30 ce dimanche 24 septembre dans les locaux de la préfecture du Faubourg Montbel. Il s'agissait d'un scrutin majoritaire à 2 tours. Le collège électoral est constitué dans notre département de 358 grands électeurs, les 2 parlementaires, 26 conseillers départementaux, les 2 conseillers régionaux et 328 délégués communaux qui ont été élus le 9 juin dernier par les conseillers municipaux. Les grands électeurs sont venus en nombre et parfois même en famille, clairement identifiés à l'image des Cévenols ou des élus mandois. 354 électeurs sur 358 ont voté. À noter que le vote est obligatoire et est sanctionnable d'une amende de 100 € en cas de manquement. Ambiance fébrile pour certains, nettement plus détendue pour d'autres. C'est avec impatience que les candidats et leurs soutiens respectifs attendaient l'arrivée du président du tribunal judiciaire de Mende et l'annonce officielle du résultat des urnes. Remplaçant d'Alain Bertrand, Guylaine Pantel lui succède le 3 mars 2020 suite à sa disparition. La sénatrice PS sortante, candidate à sa propre succession, conserve son fauteuil après avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle exercera un mandat de 6 ans. On a vraiment un mode de travail qui est fluide, on est complètement complémentaires et ça va nous permettre de continuer à travailler dans l'intérêt des Lozériennes, des Lozériens et du territoire. Alors dans les dossiers prioritaires, il y a évidemment tout ce qui concerne le foncier, le ZAN en particulier. Il y a toujours cette question sur la compétence de l'eau et de l'assainissement qui pose problème pour nos petites communes. Il y a évidemment les sujets autour de la transition écologique et les finances des collectivités et au premier chef, la première collectivité du département, le conseil départemental.
Pantel. La candidate PS Guylaine Pantel est élue dès le premier tour, donc avec 187 bulletins comptabilisés. Son remplaçant est Francis Chabalier. Pour sa part, Alain Instruc, diverses droites, totalise 133 voix. Serge Guesso du PCF, 22. Et Michel Jacques de LFI aura comptabilisé 6 voix. Tous les résultats des élections sénatoriales sont désormais connus. Le Sénat renouvelé doit donc se réunir le 2 octobre pour élire son président. Enfin, le 3 octobre sera consacré à la constitution des groupes politiques. Madame Pantel, vous êtes toujours là par téléphone ? Oui, oui, tout à fait. Tout d'abord, je vous félicite pour votre victoire. Vous êtes pour la première fois élue sénatrice, puisqu'auparavant, vous avez pris la suite de l'engagement du sénateur-maire Alain Bertrand après son décès. Que ressentez-vous pour cette victoire ? Vous savez, c'est un moment fort. Dimanche, nous avons vécu, j'ai vécu un moment fort avec mon suppléant Francis Chabalier. Et bien, puisque vous me donnez l'occasion, je vais remercier encore une fois les grands électeurs qui nous ont apporté leur confiance, parce que c'est pour nous un résultat aussi de campagne que nous avons fait. Nous nous sommes rendus dans toutes les communes, nous avons rencontré tous les grands électeurs et même au-delà, même des conseillers municipaux. Et c'était des échanges extrêmement importants, des échanges de terrain. Et donc nous avons compris, évidemment, parce que nous travaillons déjà depuis quelques années ensemble, depuis que je suis en poste, mais vraiment, c'est très important de se rendre dans les communes pour rencontrer ce que nous avons fait. Nous avons rencontré de grands électeurs et c'était des moments extrêmement forts. Dans les circonstances malheureuses qu'on connaît, la suite à la disparition d'Alain Bertrand, et ça a été 3 années où il a fallu travailler énormément parce que arriver comme ça en milieu de mandat, c'était pas facile. J'ai beaucoup beaucoup travaillé et puis nous sommes repartis après en campagne et le résultat est là et donc c'est un moment très fort que j'ai vécu dimanche. Alors dites-nous, Madame la sénatrice, quels sont vos grands projets pour la Lozère? Vous savez, il y a des grands dossiers évidemment à défendre. Nous en avons parlé toute la campagne. Et c'est par exemple le dossier ZAN, zéro artificialisation nette. C'est quelque chose qui va pas dans le sens de la Lozère. Il faut qu'on travaille sur cette loi. On a déjà fait passer un amendement au Sénat, mais on va continuer parce que sinon des communes vont se trouver en difficulté. Donc il y a ce dossier. Il y a aussi le dossier sur la santé, le dossier sur l'hélicoptère. Il y a tous ces grands dossiers que nous allons continuer, que je vais continuer à porter au Sénat. Et puis sur les finances, évidemment, sur les finances locales, il y a le projet de loi des finances qui va être débattu bientôt après l'installation du président et des groupes et des commissions. Donc voilà, c'est nous avons du travail qui nous attend, mais tout ceci est très très passionnant et quand on voit la campagne que nous avons menée, ceci nous porte, voilà, pour pouvoir défendre ces dossiers lozériens. Alors, Madame la sénatrice, vous avez aussi rédigé un rapport sur le travail des femmes dans l'hyper-ruralité. Oui. Est-ce que vous pourriez, en quelques phrases rapides, nous le résumer? J'ai rédigé un rapport il y a quelques mois sur les femmes en hyper-ruralité. Et alors, il y a le travail, mais il y a aussi la santé des femmes. Enfin, il y a tout ce qui concerne les femmes, et on se rend compte que c'est doublement plus difficile pour nous en ruralité, parce que, par exemple, il y a 13 départements où il n'y a pas de médecin, enfin de gynécologue, par exemple, en France. Donc voilà, c'est des situations comme ça auxquelles il faut vraiment travailler, et on se rend compte que c'est doublement difficile, vraiment. Alors, tout à l'heure, Madame la sénatrice, nous allons échanger avec l'association de la Ligue contre le cancer. Ce sera en fin de journal. Quel est votre programme en matière de santé, vos grands engagements? Ben écoutez, moi, je veux soutenir la Ligue contre le cancer et puis je rends hommage à tous ceux qui œuvrent dans ce sens pour la Ligue et qui sont bénévoles. Et c'est un travail permanent et c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est un soutien que les femmes ont besoin, hein. Je crois que la prévention, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut encore plus développer la prévention pour toutes ces maladies. Et puis, nous devons aussi faire venir des médecins en Lozère. C'est quelque chose, enfin, ça risque de devenir crucial et ça risque de devenir extrêmement compliqué. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus aussi. C'est un des dossiers très importants pour la Lozère.
Écoutez, Madame la sénatrice, je vous remercie de nous avoir donné ces quelques minutes. Vous étiez donc en direct du Sénat, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, absolument. Donc aujourd'hui, c'était votre première journée, c'est ça, au Sénat ? La journée hier, de rentrée ? Je suis rentrée. Ma première journée, c'était hier aujourd'hui. Je redescends demain et puis nous remontons lundi parce qu'il y a l'élection du président du Sénat et puis les commissions à mettre en place. Très bien. Écoutez, voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci à vous. Merci à vous. Photobrac est un festival qui expose les œuvres de photographes sur le Brac dans des lieux insolites, tels que des étables. Cette année, le thème était de désert et d'eau. L'événement a accueilli de nombreux visiteurs, dont 11 000 écoliers. Le budget pour organiser cet événement est de 100 000 euros et il est serré. Manquant de subventions, l'association peine à boucler son plan de financement et remet en cause l'organisation future d'un événement similaire. Un reportage d'Éric Michel. Cette année, on a eu 280 demandes de participation à Photobrac. On en a retenu 45. Il y a eu une douzaine d'invités. Donc, c'est ces invités-là qui collent vraiment au thème du festival de cette année. De désert et d'eau. Le thème est posé pour la 21e édition de Photobrac qui s'est déroulée du 21 au 24 septembre dernier. Photobrac est un festival qui compte parmi les 5 principaux festivals photographiques de France. Sa particularité, il réunit 65 participants, mais avant tout, il est le seul à proposer des expositions dans des lieux improbables, dans 21 sites, tous situés sur le plateau aubraquois. Mais en fait, le but du festival, un petit peu, c'est de pouvoir déstabiliser ces artistes pour pouvoir qu'ils arrivent à mettre en scène ensemble quelque chose d'assez formidable, parce que vous allez voir ces étables qui sont magnifiquement décorées et les photos bien présentées. Donc humainement, il se passe beaucoup de choses et je crois que chaque photographe, là, vit des moments très très forts et exceptionnels. Le festival n'existe que par l'engagement d'une cinquantaine de bénévoles. Des rédacteurs, des illustrateurs, des agriculteurs ou encore des ravitailleurs, tous proposent une belle dynamique. On aime le monde, on aime les gens et c'est cela l'ADN du festival, nous dit Jean-Pierre Montiel. Je pense qu'on a un peu réussi parce qu'on est devenu quand même le cinquième national au niveau de la qualité de l'image des festivals. On reçoit entre 20 et 25 000 personnes en 4 jours. Donc c'est un énorme événement qui fait vivre quand même sur un rayon de 40 km toute la région. Et voilà. Et donc nous, l'idée, elle est toujours de partager avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu, qui ne sont pas forcément intéressés par la photo. Mais voilà, notre but, il est là et je pense qu'il est atteint. Le festival, c'est aussi de proposer des mises en lumière pour de jeunes talents, tels que Mélusine, qui est un véritable coup de cœur non seulement du festival, mais aussi des festivaliers. Oui, voilà, ma démarche, c'est vraiment de transmettre des émotions, raconter une histoire, en fait, en assemblant deux photos, donc en juxtaposant des photos réelles, j'y tiens, pour raconter, en fait, une troisième histoire. L'image un peu de ce que fait, par exemple, Elliot Erwitt, c'est lui qui m'avait vraiment inspirée à la base, où lui, il crée vraiment une histoire qui n'est pas réelle en mettant en corrélation deux images réelles. Donc il n'y a que nous encore maintenant qui puissions promouvoir ce genre de personnages et d'images. Et ça, c'est très, très important pour moi. Des illusions, est le titre de son exposition. S'évader par l'imagination, telle est la genèse de ces assemblages en noir et blanc. Donc ça donne ce que vous voyez derrière. J'ai continué après le confinement en créant un peu un conte burlesque où les protagonistes ils sont confrontés en fait aux inepties du monde et comment ils arrivent à s'en échapper au fur et à mesure de l'histoire. Et là, ce que vous voyez là, c'est une sélection des deux séries. Voilà. Rétrospectivement, l'artiste exprime ici sa volonté de croire que l'imagination est plus forte que le fatalisme. Et justement, en parlant de fatalisme, le budget initial de Photobrac est de 100 000 euros, ce qui permet de nombreuses actions pour recevoir un millier d'écoliers ou encore de proposer des rendez-vous clés avec des personnalités de renommée internationale, ce qui demande un minimum de prise en charge, mais aussi des frais techniques incompressibles. Et bien que la magie opère, et pour la première fois, les bénévoles se trouvent confrontés à un problème budgétaire épineux dû à la baisse conséquente des aides qui leur sont accordées.
Et ce manque de financement remet en question toutes les actions notamment. Nous, on est un festival qui n'est pas autonome. Hein. On est autonome à 60%, 65% financièrement. Il nous reste ces 30%, 35% qu'on demande des subventions. Et ces 30, 35%, on n'est jamais sûr de les avoir. Alors, c'est le système qui veut ça, sûrement. Mais c'est déstabilisant parce que pour prévoir, c'est très, très compliqué. Voilà. Et d'un coup, on apprend qu'on nous sucre 12 000 euros. Et cet argent-là, on ne l'a pas. Donc comme nous, tout est gratuit et tout, on ne sait pas où on va le trouver, puisque les contrats, nous, on les avait signés depuis plus de 6 mois à l'avance pour pouvoir avoir les photographes et les intervenants. Et ça met les festivals, et le festival peut être en difficulté. Oui. Là, on a un gros point d'interrogation, on apprécie le moment, on va se donner une réflexion d'un mois, on va se réunir et on va voir ce qu'on fait. Le projet pour le festival de l'année prochaine, si tout va bien, serait de faire venir des grands reporters avec pour thème la disparition. Et l'actualité est faite de manière à ce que sans arrêt, déjà on est abreuvé d'informations, pas souvent vérifiées, malheureusement. Et voilà, et tout ça, ben nous, de notre côté, on essaie de prendre le contre-pied et de gérer ce côté-là de l'image. La convention de partenariat entre le réseau de transport de l'électricité et le parc national des Cévennes est renouvelée. Ils agissent ensemble pour protéger l'environnement et la biodiversité. Un reportage d'Éric Michel. Le parc national des Cévennes et l'entreprise RTE s'associent pour protéger la biodiversité sous les lignes électriques. Jeudi dernier, le PNC et l'RTE ont signé une convention de partenariat pour la période 2023-2029. Et cette convention vient sceller une collaboration que l'on a déjà depuis quelques années avec les gestionnaires du parc pour préserver la biodiversité et l'environnement. Traversée par 9 lignes électriques aériennes de 63 000 volts et une ligne à 225 000 volts, le parc national des Cévennes s'étend lui sur 3 000 km². Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Les deux entités s'associent donc pour mettre en œuvre des actions spécifiques pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel. Cette convention est le fruit d'échanges fructueux entrepris depuis plusieurs années afin de permettre à RTE d'effectuer son programme de travaux et de maintenance sur le réseau dans le respect de la réglementation du cœur de parc lié à la présence d'enjeux environnementaux, patrimoniaux et paysagers, nous dit Anne Le Gilles, directrice du parc national des Cévennes. C'est une opération de maintenance. Parce que le portique est vétuste et la ligne est existante. Elle est là depuis très longtemps, depuis les années 50, et elle alimente le poste électrique de Tarnon, qui est situé un peu plus loin et qui permet d'alimenter la zone de Florac. La convention va notamment permettre la mise en place de plusieurs actions communes, dont le partage de données du réseau électrique et des données environnementales qui permettront d'identifier des zones qui nécessitent des actions spécifiques, notamment pour la gestion de la végétation sous les lignes. L'identification d'un programme aussi de pose de balises avifaune sur les lignes afin d'éviter que les oiseaux ne percutent les lignes à haute tension. Ces balises devraient permettre de diminuer de 90% le nombre de volatiles impactés, mais aussi sensibiliser les personnels des deux entités sur les enjeux respectifs. Pour garantir la disponibilité des ouvrages et assurer la sûreté du fonctionnement du système électrique, RTE a réalisé jeudi dernier une impressionnante opération de remplacement de supports en bois sur la ligne entre Mende et le bassin du Tarnon. Mais sachant que dans cette région aujourd'hui, la meilleure technique possible qu'il y ait, en zone escarpée, en zone de montagne, c'est la technique poteau-bois. Nos lignes dans la Lozère sont principalement équipées de poteau-bois parce que c'est la technique qui permet de mieux résister aux périodes de grand froid. Parce qu'en période de grand froid, il y a du givre qui se crée sur les câbles et les poteaux-bois sont réputés avoir une certaine souplesse. Cette opération, en coordination avec le parc, bien sûr, respecte un calendrier écologique. Ces travaux sont réalisés à l'aide d'un hélicoptère afin de permettre une intervention plus rapide et éviter la création de pistes d'accès lourdes au sein du parc national des Cévennes. L'hélicoptère est un super puma de la société Airtelis, filiale de RTE. Il effectue des opérations souvent spectaculaires, délicates, d'élitreuillage, qui ont été menées à bien par deux pilotes et leurs mécaniciens. Et aussi, on a des équipes de maintenance qui sont capables d'intervenir 24 heures sur 24. Sur les installations.
Tous sont spécialistes des travaux héliportés et qualifiés pour des vols en terrain périlleux. Face à l'évolution des conditions climatiques, des mesures préventives sont prises en compte afin de garantir la fiabilité du réseau. Aujourd'hui, vous remarquerez que la continuité de service sur le territoire français est assurée. Donc nous avons relativement peu de coupures. Nous prenons en compte les fortes chaleurs et effectivement, période d'été, on s'aperçoit que les températures montent comparées à la normale. Mais nous les prenons en compte et c'est une composante qui est intégrée dans l'exploitation du réseau. En tant qu'opérateur industriel de la transition énergétique, RTE optimise et transforme son réseau pour raccorder les installations de production électrique, quels que soient les choix énergétiques du futur. Créé en 1993 pour soutenir les bistrotiers, le label Bistrot de Pays favorise la découverte et l'animation locale. C'est tout aussi et surtout un lieu d'échange, de rencontres et de liens sociaux. Le Rucher de Rousse est le premier bistrot de pays labellisé en Lozère. Un reportage de Marion Guibaudot. En fait, moi, je cuisine comme cuisinait ma grand-mère. J'avais une grand-mère paternelle qui faisait de la cuisine, voilà. Je pense quotidiennement à elle et je me dis, je cuisine vraiment comme ça. C'est-à-dire, c'est une cuisine faite avec, j'ose dire, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Pour moi, cuisiner, c'est donner de l'amour aux gens et c'est avant tout un partage. Et je ne me vois pas faire du congelé. Après, c'est une méthode comme une autre. J'ai travaillé le congelé aussi dans des plus grosses structures. Mon choix à moi, c'est de faire qu'avec du frais. Nous n'avons pas de congélateur. Le Rucher de Rousse, situé au cœur du village de Rousse, vient de changer de main. Après avoir été tenu durant des années par Mélanie, ce bistrot emblématique du village et lieu de lien social est désormais tenu par Émilie Gentil et Romain Wolf. Un amoureux du coin, de la région, des Cévennes, et à cause de mes origines paternelles, j'ai mon père qui est Cévenol et on a tenu ensemble une exploitation agricole, l'Union d'août des Cévennes. Alors moi, mes premières expériences en restauration, j'avais 18 ans. J'étais plutôt côté service, mais rapidement, je suis passée côté cuisine. Ça m'attirait beaucoup plus. Et après, oui, grâce à Romain et son papa qui tenaient une exploitation agricole, moi, pour tirer un peu mon épingle du jeu aussi, j'avais donc une caravane truck qui s'appelait Oxyvan, où je transformais tout leur maraîchage sur des tartines bio. Donc ensemble, on faisait les marchés producteurs et les marchés d'été surtout. Le jeune duo souhaite insuffler un nouveau souffle à ce rucher en utilisant seulement des produits locaux pour son menu journalier, changeant selon les saisons. Et se fournit essentiellement auprès du GAEC de Rousse pour envoûter les papilles de ses clients. Alors on va chercher producteurs locaux, beaucoup avec. Je travaille énormément avec le GAEC de Rousse, ça oui. Beaucoup aussi avec leur boutique qui me permet d'avoir accès à des producteurs régionaux. Parce qu'en effet, comme l'a souligné quelqu'un tout à l'heure, le maraîchage est assez pauvre en Lozère. Appel à tous les maraîchers, je vous aime. Voilà, parce que pour le moment, du coup, je travaille avec des maraîchers Cévenols, mais qui ne sont pas forcément 100% Lozère. Et puis voilà, après le fromage, etc. Enfin, il y a tellement à faire avec du frais que je ne vois pas l'intérêt de faire avec du congelé. Le label Bistrot de Pays a été créé dans les années 90 pour soutenir les cafés-restaurants de village qui tendent à disparaître. Si en 1900, plus de 500 000 cafés-bistrots maillaient le territoire hexagonal, de nombreuses communes aujourd'hui en sont dépourvues. Le label Bistrot de Pays, c'est un label à destination des cafés-bars-restaurants en milieu rural. Sur toute la France, c'est un label qui est national, qui a été créé il y a 30 ans, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le Pays de Forcalquier. L'idée, c'est de soutenir le bistrot de village comme dernier lieu de lien social. Depuis 1934, se tiennent chaque année, au mois de septembre, les Journées européennes du patrimoine. Découvrons ensemble deux manières différentes d'aborder cet héritage. D'un côté, le château de la Baume, aussi appelé Petit Versailles lozérien. De l'autre, le studio de la Bête, qui met en valeur le patrimoine paysager du département. Un reportage d'Éric Michel. Il est superbe, il est magnifique. Avec toutes ces décorations, ces dorures, tout ça, c'était vraiment sympa. La 40e édition des Journées européennes du patrimoine s'est déroulée les 16 et 17 septembre dernier. Elles ont offert l'opportunité de visiter des sites exceptionnellement ouverts pour l'occasion. Le château de la Baume est situé sur les contreforts de l'Aubrac lozérien et il accueille quant à lui annuellement jusqu'à 6 000 visiteurs, dont principalement des touristes.
Les journées du patrimoine sont l'occasion pour les locaux de redécouvrir leur patrimoine. Parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait visité, mais j'étais petite et j'avais pas de souvenirs. Alors du coup, on s'est dit ben, pourquoi pas rafraîchir les mémoires et voilà quoi. Pendant les journées du patrimoine, on est très content parce que ça fait déplacer les gens des environs. Là, j'ai beaucoup de gens qui viennent de Mende, etc. Ça, c'est vraiment sympa parce que c'est pas le cas non plus dans l'année. C'est comme les Parisiens. Hein. Les Parisiens connaissent pas Paris. Bon, les Lozériens, c'est pas ceux qui connaissent le plus le château de la Baume, mais bien sûr, il y en a. Mais on est très content quand on accueille des Lozériens. Surnommé le Versailles Gévaudanais, c'est le seul château imposant érigé dans le département à l'époque classique. Sa décoration intérieure est exubérante avec une influence italienne et versaillaise. Il était le siège de la baronnie des seigneurs de Peyre. Quand vous avez la chance d'être le propriétaire d'un aussi grand bâtiment, il y a un moment, si vous restez tout seul avec juste vos enfants là-dedans, ça perd un peu de sens parce que vous pourriez avoir quelque chose de, peut-être de plus confortable, de plus facile à vivre et ça n'a pas beaucoup de sens de rester dans un espace aussi grand s'il n'y a personne d'autre que vous. Voilà. Et donc les visites en général et les journées du patrimoine donnent du sens à cette action parce que vous ne le faites pas que, on ne sait pas pourquoi, mais vous le faites aussi pour le partager. Actuellement, le château est en cours de restauration. Le coût s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces derniers sont pris en charge à 50% par la DRAC. Le reste à charge doit être supporté majoritairement par la famille de Lascaz, propriétaire des lieux depuis 1855. C'est vraiment l'occasion de faire vivre toutes les pièces du château, de le faire connaître, de le faire aimer. Et puis, on ne va pas se cacher et de se voiler la face. Il y a un intérêt financier également. Pour ce qui est de l'histoire, le document le plus ancien mentionnant le château remonte à 1275. Sa première partie a été construite en 1630 par Antoine de Grelet à partir de pierres de l'ancien château de la baronnie située sur le roc de Peyre. À l'issue des guerres des religions, les barons de Peyre décidèrent de reconstruire un nouveau château. Et dès 1632, après le démantèlement du siège de la baronnie du roc de Peyre, ils choisirent la Baume. Et c'est sous l'impulsion de César de Grelet, alors seigneur de la Baume, que le château fut modernisé. Bien que par son aspect extérieur, il se rapproche davantage de constructions médiévales à vocation défensive, il a en réalité une destination d'habitation. Par la suite, une campagne d'agrandissement sera initiée entre 1705 et 1708 avec 80 maçons et une vingtaine de charpentiers pour créer l'extension sud afin de rappeler Versailles. Ce qui surprend toujours, enfin moi, les retours que j'ai, c'est la différence entre l'austérité des façades, le côté très froid du granit, etc., et la richesse et le raffinement des décors intérieurs. Car ce château, comme vous l'avez vu, est tout à fait richement décoré, des peintures, du mobilier d'origine, etc. Ça aussi, le fait qu'il y ait du mobilier d'origine, il n'est pas seulement d'époque, il est d'origine. C'est-à-dire qu'il a été acheté par les différents propriétaires, que ce soit sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, et d'ailleurs même au XXe siècle, au XXIe siècle, puisque nous, on continue à enrichir le mobilier du château. Les propriétaires actuels sont les descendants d'Emmanuel de Lascaz, le fameux compagnon d'exil de Napoléon Bonaparte Ier. Véronique de Lascaz explique aux visiteurs, c'est en s'enrichissant et après avoir été nommé lieutenant des armées de Louis XVI, que César de Grelet a pu construire une deuxième aile au château avec cette fois des pierres taillées pour l'occasion. Le château est intimement lié à l'histoire de la bête du Gévaudan. Durant les attaques qui ont décimé des centaines de citoyens de 1764 à 1767, des battues ont été organisées depuis le château. Alors c'est vrai que la bête s'est arrêtée, peut-être qu'elle a eu peur, à 4 km au nord. Mais en tout cas, oui, des chasses ont été organisées à partir de la Baume. Ouais. On est des passeurs. On est des passeurs. On est chez la Baume. Hein. On n'est pas chez nous. On est, voilà. La Baume a différents propriétaires, voit passer les propriétaires et reste. Voilà. Bah, je crois qu'il y a déjà cette découverte, cette rencontre en direct. Découvrir un intérieur qui suggère toujours de la curiosité. Un peu moins de fantasmes qu'il y a quelques années, parce que maintenant les gens savent ce que c'est que la vie de château. Nous sommes vraiment au cœur de l'histoire du Gévaudan. La baronnie de Peyre était la principale du Gévaudan. C'est le seul témoignage de cette époque. Et donc forcément, pour les Lozériens, ça ne peut que leur parler. Et puisque aussi je lis l'histoire de la reine Margot, d'Alexandre Dumas. Et j'aime bien, en fait, je lis la page 3 fois. Et j'imagine cette époque, comment ils vivaient les gens, comment ils se portaient, leur habit, leur comportement, en fait, l'environnement. Et j'avais l'impression d'être là, d'être dans le livre de la reine Margot. Même s'ils ne sont pas ici, mais bon, c'est la même France, c'est la même période. Les journées du patrimoine sont riches en diversité. À Mende, par exemple, un marché des créateurs était proposé.
Maxime Baratieux est fondateur du Studio de la Bête avec la portraitiste de France, Marina Bess. Il est graphiste professionnel depuis une dizaine d'années et il a eu l'idée en 2017 de mettre son talent d'illustrateur numérique dans la conception d'affiches d'inspiration architecturale lozérienne. Je me suis dit pourquoi pas allier ma passion au service justement de ce patrimoine. Avec un style rétro, ses créations originales sont fortement inspirées de bandes dessinées comics et de dessins animés tels que Scooby-Doo, et oui, avec des touches graphiques, polygonales et texturées. Là on est sur 10 illustrations pour l'instant. Je dirais 11 même parce que j'en ai fait une pour La Pontoise, donc une petite marque Cévenol du Pont de Montvert. À signaler que Maxime est aussi le créateur du générique de votre journal télévisé, le JT Lozère. Il a beaucoup d'idées dans sa besace et pourquoi pas un dessin animé, allez savoir. Aux prochaines journées du patrimoine, nous pourrions peut-être même aller visiter les nouveaux locaux du Studio de la Bête. La vue depuis le Belvédère sur Villefort a beaucoup plu, même je pense au niveau des couleurs. Donc c'est la plus demandée en tout cas. Je vous rappelle que nous sommes bien en direct du JT. Voici les brèves de l'actualité en Lozère. Et commençons ces brèves avec Hugo Bresse. Ce passionné de photographie et spécialisé dans la photo naturaliste, de sport et de sport mécanique. Actuellement, il expose ses clichés à Paris. Un moment d'émotion vendredi 15 septembre où les projecteurs étaient tournés vers Hugo Bresse, le talentueux photographe lozérien. Il est à l'honneur à Paris pour sa première galerie. Nommée Quintessence, l'exposition propose une sélection de photographies. À travers une quinzaine d'œuvres, vous serez sous le charme de la diversité, de la faune et de la flore lozérienne. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 novembre à la Maison de la Lozère à Paris, dans le 6e. Le Tour du Gévaudan à bord d'un train historique. L'association Train à Vapeur d'Auvergne a proposé samedi dernier le Tour du Gévaudan à bord d'un train spécial au départ de Vichy et Clermont. Après avoir franchi le célèbre viaduc de Garabit, il a ensuite effectué un arrêt touristique de 2 heures dans la ville royale de Marvejols. On est à 90% de remplissage, c'est un beau score. Le train est à l'heure, ça c'est une des conditions qui nous ravit le plus. Merci pour l'accueil. Les 470 voyageurs ont été accueillis comme des VIP par les instances locales et l'office de tourisme. Les passagers d'un jour ont pu au choix visiter la ville de Marvejols ou prendre le temps d'un repas préparé spécialement pour l'événement. Un voyage exceptionnel, train exceptionnel. Tracté par deux machines diesel BB 67400 des années 70, le convoi a été composé de voitures arrivées apparentes des années 30 et des voitures à face lisse des années 60. Que de souvenirs à bord. À 14h43, le départ fut donné pour une boucle en Lozère en empruntant le trajet du Trans-Lozérien. Les voyageurs ont découvert notre département et ses paysages à couper le souffle. Ce voyage a rappelé les grandes heures des lignes ferroviaires vers la Méditerranée. Samedi 23 septembre, dans la grande halle de Mont-Aubrac, avait lieu la 44e édition du concours des Broutards. Un événement organisé en partie par la Chambre d'agriculture de Lozère pour montrer le savoir-faire agricole du département. En plus de ce concours de Broutards, une compétition était réservée aux annuels BMC et, depuis 2019, a été ajoutée une catégorie Bélier. Une journée conviviale et d'échanges entre éleveurs, grand public et acheteurs potentiels. Ne leur parlez pas de dressage, mais bien au contraire d'éducation positive de nos chiens. La deuxième édition de la Canifun s'est déroulée en plein air sur le Causse de Mende le week-end dernier. Canifun, c'est la journée du chien, c'est un événement organisé par des professionnels qui ont proposé aux participants mais aussi aux visiteurs passionnés une variété d'activités amusantes mais surtout éducatives. 2 jours intenses où sont déroulées différentes initiations et des démonstrations, des concours ludiques, mais aussi des conférences dispensées par des éducateurs canins, des ostéopathes animaliers, des spécialistes de la nutrition notamment. Enfin, les visiteurs auront également eu la possibilité d'en apprendre plus sur les différentes races de chiens grâce à un concours de beauté. Deux grands moments d'échange tant pour les toutous que pour leurs humains, où ces derniers ont d'ailleurs pu gâter leur boule de poils d'amour en parcourant les stands des professionnels mais aussi des exposants. Alors si dans cette brève du JT vous avez vu un mini lion, des huskies par dizaines, des chiens en tutu ou encore des chiens qui s'évadent, ne cherchez pas, c'est que vous êtes bien, mais surtout c'est que les chiens sont heureux.
Mercredi 20 septembre a eu lieu la traditionnelle journée d'écumat organisée chaque année par la Fédération d'écumat de Lozère. Le thème choisi pour 2023 était les machines innovantes, ce qui passe autant par une conduite optimisée des tracteurs que les fabriques d'aliments à la ferme mobile ou l'utilisation de drones pour nettoyer les panneaux solaires. Cette année, c'est la CUMA d'Aumont à Aubon-Aubrac, forte de 400 adhérents, qui a accueilli l'événement dans ses bâtiments flambant neufs. Cette journée est l'occasion pour les agriculteurs du département de se retrouver et échanger sur leurs pratiques agricoles. Les CUMA sont une forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole nécessaire à leur activité. Cette structure permet à ses adhérents de réduire les coûts de mécanisation, d'accéder aux nouvelles technologies et d'optimiser les chantiers. À Mende, lundi dernier, s'est déroulée la cérémonie commémorative dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives. La journée du 25 septembre a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis et des sévices subis par les harkis et personnels des diverses formations supplétives et assimilées du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. Notre pays a reconnu sa responsabilité dans la tragédie vécue par les harkis et leurs familles et reste engagé dans une politique de réparation et de reconnaissance. Cela passe notamment par un examen sans concession du passé dans tous ses aspects et par une transmission objective de l'histoire de toutes les entités qui constituent la communauté nationale. Depuis sa création en 2003, cette commémoration donne lieu chaque année à l'organisation d'une cérémonie à Mende, tout comme dans chaque département. Dimanche 24 septembre a eu lieu la 4e édition du comice de la Haute-Truyère au Malzieuville. Cet événement est organisé par les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Alban-le-Malzieu et se partage d'une année à l'autre entre la ville de Saint-Alban-sur-Limagnol et le Malzieuville. Accueillant un concours au Brac le matin et un concours Montbéliard l'après-midi, cette journée a attiré un public nombreux profitant du soleil automnal. Un petit marché est venu compléter les animations de la journée. En plus de ces compétitions, les élèves des lycées agricoles du département étaient conviés à participer à un concours de pointage. Ils apprennent à noter des animaux de différentes races. Celui ou celle qui obtient une note égale ou proche de celle établie par des professionnels termine premier. Le premier élève de chaque catégorie, 10 au total en race bovine, allaitante et laitière, en race ovine et en race équine, sont qualifiés pour aller disputer la finale à Paris, qui se déroulera lors du Salon de l'Agriculture 2024. Plus de 200 familles, venues notamment de la grande région Occitanie, se sont prêtées au jeu du ramassage au champ des pommes de terre sur l'Aubrac samedi 23 septembre au Buisson. C'est un champ préparé par l'un des 12 producteurs des pépites de l'Aubrac qui a servi de cadre à cette journée où 9,8 tonnes de pommes de terre ont été ramassées par le grand public. Très fiers de repartir avec, pour certains, quelques dizaines de kilos dans des filets. Pour agrémenter la journée, les producteurs des pépites de l'Aubrac avaient prévu de la restauration sur place avec au menu saucisses et aligots, préparés avec près de 50 kg de pommes de terre de l'Aubrac. La saison de récolte des pépites de l'Aubrac, qui propose 3 variétés de pommes de terre à la vente, a démarré mi-août et se terminera fin octobre. La douzaine de producteurs associés au sein des pépites de l'Aubrac continue par ailleurs de développer leur gamme à la vente. Pour les passionnés de rugby, le RCML accueillera samedi 30 septembre à 17h au complexe sportif Jean-Jacques Delmas à Mende l'équipe junior Auckland venant tout droit de Nouvelle-Zélande. Ce match sera également diffusé en direct sur votre chaîne KWZ TV. Je vous propose maintenant que l'on retrouve nos invités de ce soir. Fabienne Yerl, vous êtes présidente de la Ligue contre le cancer de Lozère. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir pour ce JT dans vos locaux. Merci à vous. Et monsieur Michel Roche, vous êtes photographe. Merci à tous les deux pour votre présence ce soir. Merci à vous aussi de nous accueillir. C'est avec plaisir. Alors, le slogan d'Octobre Rose 2023 est énorme, minuscule, galbé. Vos seins sont parfaits tant qu'ils sont en bonne santé. Madame Yerl, pourquoi ce slogan? Est-ce d'une certaine manière pour décomplexer les femmes? Oui, tout à fait. C'est surtout pour parler de la prévention, parce qu'il y a encore, les taux sont très bas en Lozère. Malheureusement, on est juste à 50%, même un petit peu moins, au niveau du cancer du sein, qui touche les hommes et les femmes, surtout. Mais c'est surtout, on voulait dire aux gens qu'il faut penser au dépistage, avant tout. C'est très important. Alors, quand vous dites 50%, vous parlez de quelle tranche d'âge ?
C'est par rapport aux 50-74 ans, c'est par rapport aux invitations que les gens reçoivent dans cette tranche-là. C'est des taux qu'on a par rapport à cet âge-là. Mais pour les autres personnes, on ne le sait pas. D'accord. Donc déjà, les taux sont assez bas. Alors, j'ai vu que 900 000 personnes sont atteintes de cancer en France, enfin de cancer du sein en France, c'est le cancer le plus répandu, et 61 000 nouveaux cas en 2023. Vous parliez là des campagnes de dépistage. Comment sont-elles organisées pour prévenir la maladie ? Alors nous, on fait beaucoup de manifestations pour justement informer les gens qu'il faut qu'ils fassent leur dépistage dans des centres. Mais c'est vrai qu'on essaie de mobiliser un petit peu tout le monde dans des manifestations, via nos réseaux sociaux. Voilà. Alors voilà, vous parlez de différents supports là pour... Oui. Pour parler là de cette cause. Je vous propose à tous les deux qu'on écoute un extrait là du dernier titre de Guillaume Caparros qui s'intitule « Pourquoi attendre ?» Octobre rose défend la cause de millions de personnes à qui toutes ces choses que l'on n'ose pas dévoiler même aux amis nuisent à l'image et la fierté dans un combat vers l'infini qu'ensemble nous pouvons éviter avec une simple échographie. Octobre rose défend la femme lorsqu'il intègre l'homme aussi. Tous les jours un nouveau programme pour éloigner la maladie. Il est essentiel d'informer au moins autant que de l'entendre, sitôt testé, sitôt sauvé. Donc les amis, pourquoi attendre? Tant de fierté, bien trop de silence. Vous alertez, tous les jours on y pense. Féminité. Alors, très jolie chanson hein, qu'on vient d'entendre, hein, en plus pour une belle cause. Un air qui va nous rester en tête, hein, je pense, très facilement. Comment avez-vous eu l'idée là, de travailler avec Guillaume Caparros sur ce clip? Alors l'idée au départ était, je l'ai vu sur les réseaux, en fait c'était des aides-soignantes qui ont sorti un clip quelque part en France, et j'ai proposé à mon équipe de faire la même chose dans Lozère, pour passer un petit peu plus le message d'une façon différente. Donc on a cherché quelqu'un qui puisse nous créer une chanson et nous faire la musique, donc on a pensé à Guillaume, donc il a pris volontiers le pas, donc ça je la remercie. Et on a travaillé aussi en collaboration avec Monsieur Vieux de la Fabrique à Images qui nous a réalisé tout le clip. D'accord. Sur Mande et le Mal-Dieu notamment. Alors Monsieur Roche, vous avez aussi contribué peut-être au clip, il me semble que vous êtes dans la vidéo, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder cet extrait? Moi je suis motivé bien sûr, parce que je ne suis pas concerné directement, mais indirectement comme beaucoup. Et puis, je pense que c'est de la solidarité. Il y a des gens qui s'engagent pour une cause, la cause de la défense contre le cancer, et puis qui le font avec leur cœur, avec leur énergie. Et je pense que s'ils étaient tout seuls, ça n'irait pas. Enfin, il faut qu'on soit solidaire. Donc, à ce titre-là, je préfère... Ah oui, à ce titre-là, je préfère. Oui, puis en plus, je connais mes défauts d'agiter beaucoup le micro. Un petit clin d'œil au passage. Donc là, c'est d'être solidaire et d'encourager aussi et de soutenir tous ces bénévoles. Et au final, la cause est unique. Donc c'est la défense de... Tout à fait. Voilà. Il faut un bel élan de solidarité. Voilà. Alors, on entend un message très fort hein, dans cette chanson. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Yerle. C'est « Sitôt testé, sitôt sauvé ». Alors les amis, pourquoi attendre? C'est aussi pour ça hein, que les dépistages sont aussi importants, pour bah, justement prévenir et éviter que la maladie aille trop loin. Tout à fait. Disons que la maladie, plus tôt on la prend, mieux on peut la guérir. Alors c'est vrai que dans certains cas, c'est plus compliqué, suivant la maladie, si elle est un petit peu plus avancée, c'est un peu plus difficile, mais le dépistage reste quand même essentiel. Alors, dans le clip, on voit un signe là, que tout le monde fait. Peut-être pourriez-vous nous le faire, là, tout de suite? Donc c'est le L de On se ligue, voilà, tout simplement. D'accord. Liguons-nous. Très bien.
Monsieur Roche, donc, je vous propose que l'on regarde peut-être quelques photos de... Parce que vous êtes photographe, que l'on regarde quelques photos là à l'écran. Pourquoi, enfin, expliquez-nous quel est votre lien entre votre activité de photographe, le livre que vous avez publié et puis la Ligue contre le cancer. Merci. Pour moi, la photo, c'est une vieille histoire. J'ai fait ma première photo à l'âge de 13 ans avec un appareil photo de Katsu qu'on m'avait offert, je ne sais pas pour quelle occasion, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec lequel j'ai tiré la bobine, je l'ai développé moi-même, j'ai fait des tirages contact sur papier et j'ai encore en possession la première photo de mon existence. C'était le lundi de Pentecôte 1952. Ça se passait auprès du chapitre, là, au fond, là où il y a les jardins ouvriers. J'ai photographié mon frère qui était au bord du Lot et j'ai gardé cette photo. Donc la passion de la photo, je l'ai depuis mon plus jeune âge. Donc cette passion m'a toujours accompagné. Je l'ai pratiquée en groupe. J'ai été au photoclub, j'ai été président du photoclub une certaine période. D'accord. Donc c'est une passion qui est forte, voilà. Et j'ai utilisé cette passion pour accentuer un autre besoin que j'ai, la communication vers les autres. Donc j'ai utilisé la photo dans mes comptes rendus de randonnée, dans l'animation associative. Je vois le matériel qui nous entoure, et je voyais tout à l'heure Eric avec tout son travail et cette masse de matériel. Mais moi, ça m'a rappelé aussi que pendant un certain temps, j'ai fait beaucoup de montages diapositives sonorisés en fondu enchaîné. D'accord. Alors j'avais deux projecteurs, j'avais un magnétophone avec double piste. J'étais entouré de matériel un peu comme ça et je faisais le compte-rendu d'une activité associative en fin d'année à l'Assemblée générale. Et la photo était au centre d'intérêt. Et j'ai fait des reportages. Ça n'a jamais été votre métier d'être photographe, mais c'est vraiment une passion. Ah non, et aujourd'hui, vous publiez vos plus beaux clichés dans des livres, c'est ça qu'on peut retrouver dans les commerces. Après, avec le temps et l'âge, j'ai éprouvé aussi le besoin de faire des photos et de mettre ça à disposition d'une cause. Et donc, la Ligue un contact privilégié parce que j'ai fait des livres de photos qui sont des photographies de Lozère avec chacune une émotion. Et le texte qui accompagne l'émotion de la photo. Et combien de livres photos avez-vous dédiés à la Ligue contre le cancer ? Alors, j'ai fait, à ce jour, plus de 500 photos. D'accord. Puisqu'il y a 5 livres de 100 photos au minimum qui sont sortis. Et donc, cette année, vous en éditez un sixième ? Alors, j'ai hésité, mais finalement, je vais sortir le sixième, qui sera un peu différent, mais avec le même processus, une page, une photo, et le bénéfice, parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt, moi, je n'ai pas intérêt à faire un livre photographique, je n'ai rien à prouver. D'accord. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir reverser à la Ligue tous les bénéfices, que peut rapporter une humble œuvre. Voilà. Donc, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Monsieur Jean-Louis Brun, Jean-Michel, le directeur d'Hyper-U, qui a accepté d'être le diffuseur de la photo, voilà, et avec qui nous avons pu monter l'opération. L'édition se fait par la Ligue. La Ligue est l'éditeur du bouquin. Eh bien, merci, du coup, Monsieur Roche. C'est très intéressant et je vois là que Madame Yerle a dans ses mains un livre de photo. Alors, ce n'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année précédente. Mais en tout cas, ça nous donne déjà un bel aperçu de la qualité des photos que l'on va pouvoir retrouver dans ce nouvel ouvrage.
Donc, je précise que ce nouvel ouvrage va sortir en fin d'année, du coup. D'accord. Voilà, pour les fêtes. Très voilà. Bien. Donc, très juste. Voilà pour le. Alors, et il sortira au prix unitaire de 10 euros. Très bien. Donc, ils seront renversés voilà. Dans la totalité à la Ligue voilà. Contre le cancer. En 500 exemplaires, c'est ça? Et celui-ci sera tiré seulement en 500 exemplaires. D'accord. Ou 400. Merci. D'habitude, les autres étaient autour de 1000, 1000 jusqu'à 1300. Alors, Madame Yerle, on parle souvent des malades hein, qui sont atteints de cancer. Autour des malades, il y a la famille, il y a aussi les amis. Comment est-ce que la Ligue accompagne ces personnes dans leur quotidien? Alors, nous, on propose déjà aux malades des soins de confort sur tout le département, sur cinq villes importantes, sur cinq bassins. Et on n'oublie pas aussi les aidants parce qu'ils ont une place difficile voilà, au niveau de l'accompagnement. Donc on est là pour les accueillir, même déjà au niveau du bureau. Ils peuvent bénéficier aussi des soins de confort parce que des d'accord. Fois ils en ont besoin. Qu'est-ce que vous appelez par soins de confort? Alors c'est du yoga, c'est de la réflexologie plantaire, c'est la gymnastique adaptée, ouais, etc. On a aussi des visiteuses de malades sur deux sites. Voilà, tous ces soins sont là pour les aider, les soulager un petit peu, pour repartir sur après la maladie. Avec le plus d'énergie possible. Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous l'avez un petit peu dit, voilà, on parle du cancer du sein chez la femme. Il existe aussi des cancers du sein chez l'homme. On en parle un peu moins. Comment faites-vous avec la Ligue pour sensibiliser la gente masculine? Alors c'est vrai, ils ne se sentent pas forcément tous concernés, mais on leur dit de faire attention, de faire de la palpation parfois. S'il y a des grosseurs inhabituelles, surtout, c'est le premier réflexe. Et après, faire attention voilà, au niveau de la santé, de l'hygiène de vie, surtout. Ouais. Voilà, ça, c'est très important. Faire du sport, faire attention à son alimentation. Et se faire dépister. Voilà, et se faire dépister. Voilà. Parlez-nous, du coup, pour conclure cette interview, du programme de l'animation prévue pour Octobre Rose, ici, sur le département. Alors, beaucoup d'événements. Nous allons commencer le gros événement sur Saint-Chély d'Apcher le week-end prochain, le week-end du 7. Nous avons aussi la Bastide, puis le Rang ce même jour. Le week-end d'après, le 14 octobre, c'est sur Mende. Donc, c'est un gros événement. D'accord. Avec beaucoup d'animations. Notamment, on fait la vente des plats emportés le matin sur le marché. Toute la journée, des animations avec plein de stands. Et l'après-midi, on fait la partie sportive, course à pied, vélo, marche à pied, avec une petite nouveauté, un jet de poudre rose à la fin de la manifestation. Et d'accord. On aura, lors de cet événement, Guillaume qui va nous interpréter la chanson en direct aussi. Ah, ben, génial. Voilà. Et puis après, on a plein d'autres animations, notamment un film débat le 19 octobre, au cinéma Le Trianon de Mende. D'accord. Donc, mais après, vraiment un programme oui, chargé. Donc, très varié. Tout ce programme, tout ça. Vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et un petit peu dans la presse aussi. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent et puis d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons choisi de faire ce journal télévisé en itinérance, au plus proche des Lozériens et surtout en direct. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je remercie une nouvelle fois l'association de la Ligue contre le cancer de Lozère de nous avoir accueillis ce soir dans ses locaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 12 octobre, à Yerlozère.